Quand j'ai quitté la compétition, j'avais accumulé pas mal d'argent. Combien, je sais plus exactement, mais ça faisait un bon paquet. Le président du club m'avait présenté son banquier, une référence dans les milieux financiers. On disait qu'il avait multiplié par 3 la fortune de certains grands sportifs. Donc du coup, j'ai foncé et j'ai tout perdu. Et quand je dis tout, j'étais ruiné. Quand je fais le calcul, je me dis que j'ai passé 12 ans à courir derrière le ballon pour rien. So and I will love my friend. I'm free, I have a love again. J'ai connu Mélanie quand le médecin de l'équipe l'a engagée comme assistante. Elle avait 23 ans, elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle respirait l'innocence, elle était splendide. Les premiers jours, j'étais comme un gosse, j'osais à peine lui parler. Je me mettais dans un coin des vestiaires et puis je la regardais comme ça, à distance. Où sont vos parents ? Au restaurant. Une semaine après l'arrivée de Mélanie, on jouait l'Ajax en quart de finale du championnat d'Europe. On était mené 1-0 à 1 minute du coup de sifflet final. Le ballon vient vers moi, j'étais à 10 mètres du but, c'était de la folie dans le stade. J'arme ma frappe et au même moment je me prends le goal en pleine tête. J'étais KO, par terre. J'avais la joue droite qui pissait le sang, elle était à moitié trouée. Et c'est Mélanie qui m'a soigné sur la touche. À la seconde où j'ai senti son odeur, l'odeur de sa peau, j'ai eu envie de l'embrasser. J'ai eu envie de faire ma vie avec elle, avec cette fille. T'as faim ? Ouais. Thank you.
t'en penses? Ça y est, ça? Ok. Et les trucs en bas? On verra ça plus tard. C'est ça. T'as du chien pour un café? Non, j'ai rien. Attends, attends. C'est pas dans l'auto. T'imagines si je l'oublie là-bas? En fait, c'est devenu sérieux quasiment tout de suite, ça avait rien à voir avec les aventures que j'avais d'habitude. On a pris un appartement sur les hauteurs de Monaco, avec une super belle terrasse, on était vraiment bien. Mais le problème, c'est que j'avais qu'une obsession, c'était qu'elle arrête ce travail. Quand je la voyais soigner un gars de l'équipe, ça me rendait fou de jalousie. Et à force de lui faire des reproches, elle a arrêté. Alors qu'elle adorait son métier. J'ai vraiment été un imbécile. Elle, elle était naturelle, sans arrière-pensée, et moi j'ai juste réussi à lui faire du mal. Moi, mon truc, t'es assis dessus. J'avais 800 piastres là-dedans. 800 piastres. Bah ouais, c'est sûr, 800 dollars, ça fait chier. On se fait une partie?
Je l'ai. Quoi? Je l'ai trouvé. Hein? Mon portefeuille. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça, là. J'ai un travail pour toi. Ah bon? Un truc pour te faire du gros cash. C'est quoi? La première fois que j'ai fait l'amour avec Mélanie, c'était à l'hôtel Sheraton, à Kiev. Ça faisait 2 mois que j'essayais de lui faire comprendre qu'elle me plaisait, mais à l'époque j'étais avec un mannequin, une espèce de grande danoise aux cheveux roux, je me souviens même plus de son nom d'ailleurs. Elle était tout le temps pendue à mon cou, je savais pas comment faire pour m'en débarrasser. Alors j'ai fait croire à Campanese, c'était notre avant-centre, qu'elle était folle de lui. Il a mis le paquet pour la séduire, elle est tombée dans ses bras, j'ai pu la quitter, et enfin me consacrer à Mélanie. Ça m'intéresse pas. Non, j'ai pas besoin de votre travail, laissez-moi tranquille. Ce type-là m'appelle toutes les semaines. Il veut que j'entraîne une équipe de jeunes gars qui sortent de prison. Et gratuitement en plus. Juste pour le plaisir d'occuper une bande d'allumés à 2 doigts de replonger. Comme si j'avais que ça à faire.
Et moi, j'avais rien contre le mariage. J'étais pas pressé, c'est tout. Ma vie de footballeur était plutôt captivante. Je disais à Mélanie qu'on aurait tout le temps de se marier quand ma carrière s'arrêterait. À ce moment-là, les choses étaient tellement faciles, je remettais tout au lendemain. C'était devenu maladif, j'étais devenu incapable de prendre la moindre décision. On voyait ma tête dans les journaux, j'avais de l'argent, j'avais le sentiment de tout contrôler, le présent, l'avenir, enfin tout. Et au bout du compte, je connaîtrai jamais Mélanie dans sa robe de mariée. Non, jamais je la connaîtrai comme ça. Jamais. À cette époque, j'étais plutôt très content de moi. Je me disais que je savais doser mes sentiments. Que j'étais pas comme tous ces imbéciles qui foncent tête baissée. Non, moi je savais contrôler mes émotions. Quand je regardais Mélanie, je pensais au fond de moi. Qu'est-ce que t'es belle. Comme cette robe te va bien. J'adore ta façon de marcher, ta façon de poser ta main sur mon visage. Je m'empêchais de lui dire. Je m'empêchais de lui faire des compliments. Je lui montrais jamais les sentiments que j'avais pour elle. Tout ça est resté à l'intérieur de moi. Et ça le restera pour toujours. Pas le métro à pied, je préfère. J'ai pas donné ton vrai nom. J'ai dit que tu t'appelais Astor. Astor? Pourquoi ce nom-là? Je sais pas. Astor, j'aime ça. Puis, y a un milliardaire qui s'appelait comme ça. C'est là. Ah, y a personne, t'es sûr que c'est là?
Ben oui, je suis sûr. On va attendre, ça va pas être long. T'en veux? Il est à quoi? Je sais pas. Des raisins? Oh non, j'aime pas ça. Ras-le-bol, j'y vais. Non. Attends 5 minutes. C'est ça? Oui. Moi, c'est Howard. Howard, d'accord. J'ai un Italo-Russe pas très net à liquider. Je propose 15 000 $. 15 000 $? 7 000 d'avance, puis le reste quand je suis sûr que le travail est fait. Il faut que je tue quelqu'un. Ouais. Je suis pas contre, mais il faut que je réfléchisse. Que tu réfléchisses, comment ça? Ouais, je suis pas sûr. J'ai besoin d'y penser un peu, quand même. Hey, là-bas! C'est qui, ce gars-là? Il dit qu'il a besoin de réfléchir. Ah bon? Tu me feras signe quand t'auras les idées claires. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça, j'ai besoin de réfléchir. Un jour, les gens de la télé ont débarqué dans ma chambre d'hôtel pour recueillir mes impressions. Mes impressions? Quelles impressions? C'est comme ça que j'ai appris la disparition de Mélanie, par la télé. Ils savaient tout. Les détails de sa mort, tout. Moi, j'étais là, je regardais dans le vide, j'étais sonné, je me disais, mais de quoi ils parlent, ceux-là? Ils doivent parler de quelqu'un d'autre. Non, ils parlent pas de Mélanie. Cette histoire a rien à voir avec moi. Mais si, ça avait à voir avec moi. Et avec moi seul.
Come along and walk with me and learn the songs that lovers sing. When they bleed, we'll dance along the river's edge as arm in arm along the moonlit shore, the midnight cry.
But I just came to chase the blues away. For a while, just like a child, you cling to me from every sound rushes near, whisper. It's just the breeze that licks your skin and rubs your breast, and as we lay our rivers flow. Je me suis retrouvé tout seul. Le choc avait été tellement terrible que je me sentais bien nulle part. En gros, j'avais deux possibilités. Me coller une balle dans la tête, ou venir m'installer ici, où Mélanie était née, où elle avait grandi. Peut-être j'avais une chance de sentir sa présence. Montréal, le Québec, la neige. Oui, venir ici, c'était pour moi la seule façon de me rapprocher un peu d'elle. Évidemment, j'aurais pu aller à la police. Mais pour dire quoi? Une femme est morte chez moi, mais j'y suis pour rien. J'ai couru derrière son agresseur avec un bâton, mais il m'a échappé. Non, ça tient pas debout.
La meilleure solution, c'est de prendre mes distances avec cette seule histoire. Il y a 7 000 $. Tu peux compter. OK, c'est bon. Tu dois agir avant le 28. C'est un mardi. Avant le 28. Et puis, pas d'erreur. Tu te concentres et tu le rates pas. Compris? OK, je vais essayer. Mais le problème, c'est que je sais pas tirer. Tu sais pas te servir d'une arme? Non, j'ai jamais fait ça. Écoute, t'aurais voulu un fusil puis m'as vu comment ça marche. Je compte sur toi. Puis toi, débrouille-toi pour le tirer à moins de 5 mètres. Moins de 100 mètres, c'est pas un peu... Ah, oh, OK. Donne-moi l'argent. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je vais y arriver, c'est sûr. Je peux y arriver. T'es là depuis longtemps? 10 minutes. J'ai des choses pour toi. Ouais? T'as eu ça? C'est des cartouches? Mais tu sais tirer, t'as le contact, pourquoi tu le fais pas toi-même? J'ai shooté un gun une fois. Là. C'est tout ce que tu dois savoir sur lui, son adresse, la tête qu'il a, son emploi du temps, la marque de sa bagnole. C'est lui? Il s'appelle Igor Ridi. Igor Ridi. Il a pas l'air méchant. Mais pourquoi faut le tuer? Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Puis on s'en fout. Ce type que t'as tué, c'était qui? Hein? Faut que tu décides d'avance si tu veux viser la tête. Ou la poitrine. La tête ou la poitrine, d'accord. Si t'hésites entre les deux, c'est pas bon. Tirer quelqu'un, c'est une question de respiration. Donc, tu vises, tu retiens ton souffle pour pas que ça tremble, tu tires, puis tu relâches. Vas-y, vas-y.
si je rate, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi, tu... Tu te débrouilles pour l'avoir, c'est tout. Ça de la gueule. Igor Idzi a sillonné quelque temps cette terre. Il a fait le bien et le mal. Et moi, Jean-Marc Thomas, ancien footballeur, je vais mettre un terme à son parcours. Pour de l'argent. La vie d'Igor Idzi contre mon loyer, ma nourriture, ma facture d'électricité.
and Mr. Pear Fry. Work and do in the sweetly pretty fun. Hey, bro, and girls, we happy rabbit bride. Have a merry rest today, you run and never home but to the friend. Pour le 15 000, ça va pas être possible. Pourquoi? Howard peut pas donner plus que les 7 000 qu'il t'a déjà donné. Ah bon? C'est les aléas de ce genre de business. Tu restes dans le coup ou pas? Ouais, c'est bon. 7 000, c'est toujours ça de prix. Lieutenant de police Gilbert McCoy. J'enquête dans le voisinage à propos de la disparition d'une jeune femme. Personne du quartier? Pas vraiment, non. Elle habitait plus au nord. C'est son mari qui nous a prévenus. Ça fait longtemps? Elle a été vue pour la dernière fois sur la rue ici, mercredi soir. Mercredi soir? Vous avez rien remarqué de particulier ce soir-là? Non, mercredi soir j'étais là, mais... non. Aucun bruit qui sorte de l'ordinaire, un cri ou quelque chose du genre? Non, j'ai rien entendu. Portait un manteau brun, avec un col en fourrure. Non, non, vraiment, ça me dit rien. Si c'était le cas, je vous le dirais, mais... Ouais, bien sûr. C'est tout? Oui, c'est tout. Thank you.
êtes des nouveaux? Je peux entrer? On a un témoin qui prétend avoir vu une femme qui se sauvait d'un homme avec un manteau rouge mercredi soir. Elle aurait trouvé refuge dans une des maisons ici. En fait, elle serait rentrée chez vous. Chez moi. Incroyable, non? Selon lui, la femme était plutôt amochée. Même très, très amochée. Elle est sortie d'ici vivante ou morte? Vous savez, M. Thomas, ce qui est bien, c'est que la police finit toujours par gagner. Thanks, Jesus.
Tous ces gens qui me trouvaient formidable, je me disais, ils sont où maintenant? Ils avaient juste servi à gâcher ma vie. À cause d'eux, j'avais fini par tout confondre. Le foot, les fans, l'argent, l'amour, tout ça c'était devenu pareil. Quand ça chauffait avec Mélanie, je me débrouillais toujours pour lui faire sentir qu'elle avait de la chance d'être avec moi. Quand je réunis tout ça, je me dis que le sort m'a privé de Mélanie pour me punir. Le sort s'est chargé de me punir. C'est pas très propre ce que vous êtes en train de faire là. Donnez-moi ça.
Et debout. À la voiture. Alors. Vous me dites où est le corps. Et j'oublie ce que je viens de voir. Ok. Ok, on y va. I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, no toil, danger in that bright world. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going. Ah merde, je suis sur la ouest. Quoi? Non, j'ai pris la ouest. C'est la est qu'il faut. Qu'est-ce que t'es en train de foutre, là? Non, rien, je vais faire demi-tour, je me suis trompé. Continue. C'est juste ici. Ok, attendez. Allez, ouvre le sac. Ouvre. Dégage un peu que je vois. Allez, recule. Thank you.
Je ne saurais jamais si c'est un garçon ou une fille. Non, pas maintenant, je me sens pas prêt. C'est ce que j'ai dit à Mélanie quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Pas prêt. La pire chose que j'ai jamais dite. Pas prêt, je sais ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire que je suis pas père. Que jamais je ne prendrai dans mes bras ce petit garçon ou cette petite fille qui aurait eu le sourire de Mélanie. Le train est passé, je suis pas monté dedans, et le suivant n'est jamais venu. Mélanie, dis-moi que tu ne m'en veux pas. Il y a tellement de choses que je n'ai pas faites comme j'aurais dû. Regarde la vie. Si je vois que t'es heureux, que tu fais de bonnes choses, alors je suis heureuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Thomas? Oui. Vous êtes bien le propriétaire de Oldsmobile Cutlass 1981, immatriculé 756YSL? Oui. Je dois vous dire que votre véhicule a été trouvé accidenté sur l'autoroute transcanadienne, au niveau de Sainte-Hélène-de-Bago. Quoi? On a trouvé un homme mort à l'intérieur. Un certain Gilbert Garnier. Une personne que vous connaissez? Non. L'homme était armé. Il était connu de nos services pour des faits graves. Il avait déjà fait la prison. Et qu'est-ce que je dois faire? Venez reconnaître le véhicule et prévenez votre assurance. D'accord, je vais m'en occuper. Vous serez aussi convoqué pour une enquête. Nous devons vérifier si vous avez des liens avec Gilbert Garnier. Oui, je comprends, c'est normal. Je vous donne ce document pour votre assurance, et ça, c'est l'adresse pour venir voir votre véhicule. Voilà. Bonne journée, monsieur. Bonne journée.
vie est curieuse. Je n'ai pas eu besoin de traquer ce McCoy. Je n'ai pas eu à le livrer à la police. On dirait que le sort s'est chargé de le punir. Le sort, je me demande bien ce que cela veut dire. Salut, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je veux plus faire ça, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux plus faire ça, là. Tous ces trucs, là. Puis Igor Reddy, lui, qu'est-ce que t'en fais? Bah rien, je le tuerai pas. Faire ça. Tiens, c'est les 7000, tu les rends pour moi? C'est le fusil? Ouais. Les cartouches? Oh merde, j'ai oublié les cartouches. T'as un travail pour quelqu'un qui rigole pas, là. T'as donné ton accord, il faut que t'ailles jusqu'au bout. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Tu peux pas me laisser comme ça. Si le travail est pas fait avant mardi, ça va mal finir pour moi puis pour toi aussi. Écoute, je tuerai pas cet homme. Hein. Je peux aller voir Howard, lui expliquer que je veux plus assumer le contrat, mais je le tuerai pas. Non, non. Non. C'est moi qui vais le tuer. Tu fais pas ça, Michel. J'ai pas le choix. Je peux pas revenir en arrière. Écoute-moi bien, Michel. Toi aussi, tu peux faire des trucs mieux que ça. Alors t'arrêtes tout ça. T'arrêtes tout. Michel va abattre Igor Reddy. La vie n'est qu'un système de vases communicants. En corrigeant ma faute, je viens d'en créer une autre. Je ne suis pas responsable de Michel. Non, je ne suis pas responsable de ses choix. Sauf que si je ne l'empêche pas d'agir, moi aussi je serai coupable de la mort d'Igor Reddy. Monsieur Reddy, je ne peux pas vous dire qui je suis, mais j'irai droit au but. Une personne va chercher à vous tuer dans les heures qui viennent. Si vous prévenez la police, vous aurez à vous expliquer sur votre passé, et je crois que votre passé n'est pas sans tache. Si vous attendez l'assassin, vous serez contraint de l'abattre, et si vous échouez, il vous tuera. Croyez-moi, vous n'avez qu'une solution, partir le plus loin possible.
À partir de maintenant, Mélanie aura une bonne image de moi. Si je peux la rendre heureuse par mes actions, alors je vais tout faire pour accomplir de bonnes choses. Mélanie est partie avec la moitié de notre amour. Je me dois de soigner l'autre moitié. Though we gotta say goodbye for the summer, baby, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. Dark clouds will gather round.
way is rough and steep, yet beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm only going I'm only going.